véhicule qui passe à côté de moi. Je vais me faire écraser. Non, si. Okay. Il va m'écraser. Oh, je tombe par contre sur 3 minutes après. What? Fais tirer dessus. Ok, ça tire silencieux, pas loin. J'ai touché. Faudrait même les retrouver. On suit dedans. Allez, arrache-le. Oui. Voilà. Arrête-toi. Hélico qui arrive, hélico qui survole la zone. Ah oui. Ok, tirez pas. Il y a du monde dedans, il y a du monde à l'artilleur et tout. En vrai là, s'ils ont le joueur loup, ils nous ont vu. Okay. Il y a un artilleur d'hélico. Il s'arrête, on va pouvoir les shoot. Regarde, il descend. Qu'est-ce qu'il nous fait, gros? Qu'est-ce qu'il nous fait, gros? C'est quoi ce qu'est-ce mec? Qu'est-ce qu'il fait, l'Ardien? Ils sont tirés dessus d'en bas. Ah, mais il tire en fait. Oh là 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 là! Il y a son mec qui tire, gros. Ok, je vois du mouvement, je crois que j'ai vu courir dans les maisons. Faut qu'on s'avance. Ouais, l'autre, je le vois en artilleur là. Eh, faut l'arracher, hein. Là, je peux lui envoyer une balle. Vas-y, oh, gros, dès qu'on peut, on s'approche, on leur envoie des grosses bastos, hein. J'ai vu PK. C'est pas eux qui nous intéressent, hein. C'est les mecs. Mais mec, ils sont. Oui, mais si on élimine eux, on a plus que ceux d'en dessous à faire. Non, mais ceux d'en dessous, c'est eux qui ont le point déjà. T'inquiète. Approchons-nous. Oh, ouais, ils sont à la PKM, ils rafalent, mec. Il est en haut, il rafale à la PKM, gros. Parce que j'aurais rêvé de faire ça, gros. On va pas arriver à passer Milan. Ça va être très compliqué cette histoire-là. Comment on torpille un hélico comme ça? Ok, ouais, j'ai vu du mouvement là sur mon ping en fait, pile entre les maisons. Je vais mettre la remise à 400 mètres, hein. Puis on va tenter des tirs. Hein. Si l'hélico il s'arrête, gros, j'arrache. Hein. Vas-y, moi je peux attendre par la gauche. 10 pieds, allongé. Ah, ouais. Ok, ouais, je vois du mouvement. 400 mètres, gros. Oh, il y a deux mecs sur la gauche qui arrivent de la gauche de la ville. Cool stuff. Ici Jaguar 331, j'ai les cibles en vue, terminé. Ok, ça se bat de ouf, hein. On arrive à prendre du visu, Etienne. Moi je me suis allongé aussi, Etienne, avec le bipied. Moi je suis bipied, je suis très bien, moi. Oh, ils se font tirer dessus. Oh, j'aimerais tellement que l'hélico il se mette en vol stat et gros, je torpille le mec. Il se mettra pas en vol stat, hein. Vu le nombre de gens qu'il y a sur zone. Oh là, mec. Oh non, quand il fait ça, mec. J'ai tellement envie de tirer. Un silencieux? Ouais. Ah, il bouge beaucoup trop vite. Ah, ouais, pareil. Ah, là ça bouge trop, Etienne. Ok, un touché à la maison. La maison la plus à gauche. J'ai mis une grosse balle à un mec. Il était dedans ou quoi? Non, il était à l'extérieur, il était en train de viser l'hélico. J'ai mis une grosse balle. Ok, j'envoie un mec qui boite. Je vois un mec qui boite, ouais. Ça l'a frôlé, mec. Il boite de ouf, hein. Ouais, il boite de ouf, tu l'as mis sale. Ah, ça aigu Globo et tes captures. Ok, je le vois, l'autre. Il court au même endroit, où t'as touché. Ok, j'en ai vu un passer au même endroit où on a vu boiter le mec, Etienne. Ok. Ok, ouais toujours au même endroit. Ok, ouais, ça visait l'hélico. Ça repart vers la gauche. Petit cabanon. Tout à gauche, Milan, tout à gauche, deux. Il y en a un con, il s'est mis une morphine, l'autre. Aïe. C'est moi. Je vois. Non, je tire sur l'hélico. On peut commencer à avancer, est-ce que ça sert à rien de rester ici? Mais l'hélico là-haut, quand on le baise. L'hélico il perd rien à faire, de toute façon, tu fasses quoi? Ils ont déjà la caisse, hein, ça y est, ça a été fini. Ouais, faut qu'on baise eux, qu'on la caisse, hein. Ils sont rafales. Oh, les traceurs de gros. Ça retire, voilà. Là, faut que ça retire vite. Allez, retire, je veux pas que tu te fasses rafale par l'hélico, gros. L'hélico il va se faire tirer dessus, t'inquiète. Oh, ça me tire dessus? Tu vois un mec, je suis là. Non, c'est l'hélicoptère que je tape. Le truc là, c'est que je suis en train de courir et j'ai peur de me faire arracher. Ah, ça tire plus, c'est horrible. Il faut que l'hélico il spot là. L'hélico faut qu'il spot là.
c'est horrible. Ah, à mort dans la maison. Sur Milan, sur Milan. Ouais, je tire sur l'hélico. Je suis sorti, chut. Oh, je suis tombé à fond sur 3 minutes après. What? Ça, faut que j'aille voir sur Milan. Il se relève. Fais la jambe péter. Non. Full EV tout le mec. Ok. PKP. Ah ouais. Sean, est-ce qu'il y a un de vous deux qui peut me poser à boire à vos pieds s'il vous plaît? Ouais. J'ai rien moi sur moi. Viens sur moi. J'arrive, je suis à 400 mètres. Ok, donc, les mecs sont plusieurs dans l'hélico. Donc là, il reste un dans la zone. Ils se mettent en vol stat à moitié. Oh, je sais pas ce qu'ils vont, il faut arriver à les tour, à les tirer. Mais là, ils sont au moins à 400 mètres, non? Ils atterrissent, non? J'entends rien, mec. Ils atterrissent, ouf. Milan. Fais gaffe, hélicoptère qui s'est mis en vol stat au-dessus de toi pour t'aligner, je pense. Ouais, leur tire, je crois, il s'est mis de l'autre côté, ouais. Il tire. Ça tire? C'est qui vous Sean? Non? Oh putain. Ça me tire dessus, l'hélico, ça me tire dessus depuis l'hélico. Ouais, bah c'est ça, il s'aligne. Mec, il faut que j'arrive à les toucher, mais. Oh, il a sauté? Non? Hein? Oh putain, j'ai eu peur. Oh gros, j'ai cru que j'avais touché, mec. Au moment où j'ai tiré, gros. Je sais pas si c'est un hélico. C'est un avion, je crois. Vas-y, je te contourne, je vais vers Macmillan, mais moi j'ai rien pour le corps à corps, hein, je te dis. Mais ouais, j'arrive pas à lui mettre. Le mec qui pend, gros. J'ai plus de silencieux moi sur mon. John, c'est toi? C'est moi qui cours, oui. Moi j'ai plus de silencieux, mon silencieux il a cédé. L'hélico m'a spot, je crois. J'ai peur de balles. Pour nous, non? Je sais pas si je l'ai touché. Eh non, t'as touché personne, t'inquiète. Tire lui dessus. Okay, hit, je crois que je l'ai hit. Faut qu'il tombe. Il me balle un mec. Il va tomber inconscient normalement, Tombe inconscient. S'il te plaît. Si tombe inconscient, c'est dans l'hélico, mec. Non, bah il est tombé inconscient normalement. J'ai mis une grosse balle encore, il va se barrer, c'est fini. Je push, c'est bon. L'hélico il dégage, vas-y, j'arrive. Il reste les mecs sur toi, il en restait un. Ouais, mais je peux y aller. Vas-y, j'arrive. Bon, faut trouver l'autre qui restait là. Ouais, mais je peux y aller. Ouais, ils vont essayer de vous tuer. Celui que t'as tué, c'est celui que t'avais touché ou pas? Bah, je pense qu'il y avait une PKP, j'ai eu une PKP sur un mec. Tu l'as ramassé, la PKP? Ouais, j'ai tout ramassé sur lui. Du coup, il devait avoir un coffre en vrai, non? In zone 2, ça met encore. Mais ça, c'est bugué, t'inquiète. Okay. Ça, c'était avant en fait, avant que ce soit capturé. L'hélico, il s'est barré. Ok. Putain, le King of the Hill, on l'a pas eu. On va où? Il peut pas arriver. Non, il push direct sur site. Hein. Bah oui. Bon, je me suis fait une petite tenue là, je la changerai pour rien au monde. Petite chemise avec des fleurs. Leggings moulants en latex. Et t'es une meuf? Oui. Oh mon gars, tu vas pas passer la soirée. Par contre, j'ai une. Tiens, une cagoule quand même. Bon, dans la vidéo, il tienne. Ouais, puis tu parles à mon frère quand même. Mais vas-y, le drop il est bas là maintenant. Hein. Ouais, moi j'y commence à y aller. Mais il y aura des gens. Je sais pas qui y a à côté de moi, mais. Y'a personne en fait, c'est pour ça que je viens de voir. Je suis pas trop loin, je suis plus proche de l'airdrop que toi, je crois. Hier, je me suis pris un grand verre de lait, bien frais, Milan. Avant d'aller me coucher. Ça va marcher. Et j'ai bien dormi. Si, alors mec, j'étais à l'aise. Hein. Y'avait un mec là. What the fuck? Oui. Mort ou pas? Ça tire dessus! Je sors! Des rails! Ça me tirait des rails! Y'avait un mec sur moi, gros! C'est qui tire? Tiens, à côté de ciné! Y'a du monde partout, les gars! Je les entends! C'est la merde! Je un zombie sur toi! C'est la merde, gros! Il est où le zombie? Ok. Mais gros, le. Que t'as tué, hein. Mais. Hein? J'en vois sur les rails. Qui l'a que t'as tué, Sean? Mais c'est pas moi qui l'ai tué, je crois que le cadavre il t'est bugué. Allez. Ça tire? Dans la base.
Ok, je rentre. Ça m'a tiré dessus. Mais attends, mais c'est collé aux maisons de ciné. Ça tire collé maisons de ciné. Ah, mais y'en a beaucoup. Ouais, j'ai eu une trace de partir du premier étage de l'école. J'aurais dit rez-de-chaussée, moi, non? Il a tué un Z ou rez-de-chaussée, je sais pas trop. En tout cas, il est dans l'école. Ciné, autour de toi, y'a un mec. Hein. Maison rouge ouverte, je dirais, les gars. Ouais, on le sait, mais bon, moi, je peux pas traverser. Hein, donc. Oh, la base. Ça m'a tiré dessus dedans la base. Qu'est-ce que tu veux faire, moi? Ça va taper au rat. Je sais pas s'il est mort. Putain, c'est la merde, faut que je cours. Dans la base, il y a une fenêtre ouverte, vous pouvez mettre une tête, hein, il va pique. Bon, bah la base de. Sur l'école, t'as une base aussi. Ah. Si, y'a un mec de. Ok, entre vous, entre Nora et moi, au niveau des rails. Entre nous. Pile poil entre nous. Il a pris une balle. Ok, je vois. Je vais push. Allongé. Il a pris une sale balle, hein. Touché, mort, 500 mètres. Bien joué. Par où? J'ai mis une sale balle. Les mecs, comment on met une, ça tire. Ça tire encore. C'est moi, j'essaie de. Mais je crois qu'il est mort, c'est bon. Normalement, ils sont rochers. Faites gaffe parce qu'il y avait son pote, hein. Je le vois allongé, ouais, je le vois. Tu vas aller check en vitesse, Kisma. Ouais, il est mort là. Voir un peu ce qu'il a. Je regarde autour, hein. Attends, je vais pas prendre une tête. C'est trop bien le gameplay de Red, en fait. Alors, il a une PKP. Non. HK 417, je peux pas prendre l'HK. T'as pris la PKP? Ouais, j'ai pris la PKP, je peux pas prendre l'HK. J'ai de la place. Elle est où la HK? Ouais, t'inquiète. HK 417, ok. Il avait quoi d'autre? Charlotte de PKM, plein de charlotte balles pour Norad. Ok, je crois que j'ai vu le mec. Ouais, il est dans la forêt, là où il y avait Kisma. De l'autre côté, au-dessus de moi. Il est accroupi, il a un gros sac beige. Attends. De l'autre côté des rails, il y a une espèce de cabane en tôle un peu plus haut. What? Vers la gauche? C'est où c'est? Faut de l'info, je l'ai pas entendu. Il court à droite. Au niveau du pont là. Tu vois le pont? Et bah c'est à gauche du pont. Moi je vois pas de là. Je crois que j'ai pas de visite d'ici. Il a pris une balle. Pas du tout. Ok, il court, il continue à courir, je le vois. Pourquoi je le vois pas? Ah oui, le pont là-bas. Ah oui, non mais Kisma c'était bien plus à gauche, hein. Là c'est bien plus à droite de Kisma. Il est où par rapport au pont? Il est passé de l'autre côté du pont. À gauche du pont en haut. Il a pris une balle. Ah non. Ah je vois, il est en dessous, il est parti à droite, il part à droite. Y'a un mec sur moi. Dans ma maison y'a un mec. Dans ta maison? Ouais j'ai vu son âme passer à travers la porte devant moi. Là fais gaffe, reviens. Push le pas. Ah non mais je le push pas, mais là en gros s'il ouvre la porte je l'arrache, hein. Il est derrière la porte, moi j'ai la ligne sur la porte. Et de toute façon vu que la maison est en hauteur il peut pas m'avoir d'ailleurs. Je vais avec lui au contact, hein. S'il passe maison verte vous pouvez le voir. Oui. Oui ils ont le visu, moi je vais le loger. Donc il a aucun moyen de me tuer. C'est quelle maison? La rouge là? C'est celle où je suis. Mais t'es dedans? Oui. Bah il est où? Il est à la porte de derrière, genre dans l'autre entrée de l'autre côté. Je sais pas si c'est une salle qui est fermée ou quoi, mais genre il y a une porte à l'intérieur là, il est derrière. Chaud gros, mais il est. Ah oui. Il est là? Mort. Ah merde, j'allais poser une mine. Bah en fait je pense qu'il t'a entendu arriver, du coup il a tenté un truc. Je peux ouvrir, c'est bon? Ouais c'est bon. Bien joué. M110. Il y avait un M110. Je peux le prendre, hop. Ah merde, tu l'as pris. Bah je l'ai pris, j'avais encore de la place. Et le mec là, que Norad a tiré dessus du coup... Il est parti loin gros, j'ai vu cavaler frère. Mais... Bah ouais je pense que Sean il t'a entendu arriver derrière, peut-être il pensait que c'était moi. Chut, tu dis qu'il est passé au rail. De quoi? Pour vidéo, je vais passer. Attends, je suis en train de... Ah je le vois, il est sur là. Il est par où le gars? Pour tout à l'heure ou... Il est mort. Bien joué. C'était un bambi qui revenait. Non, c'était le gars que j'avais tiré dessus. Oh, ça m'a tiré dessus. Vas-y, Ciné, vite, faut qu'on bouge là. Dépêche. Je prends sa bouffe, c'est bon go. Regardez vite fait au niveau du drop s'il y a pas les armes. On va où? Sors, il repasse pas. Hein. Repasse pas sur le corps. Hein. T'as mis une mine. Donc c'est de quel côté qu'il faut aller là? Au niveau des rails. Attends, faut que j'arrive à la remettre mieux la mine. Avec ma lunette, je rush.
Ah puis là c'était vers là où j'étais tout à l'heure moi à peu près. Le tir vers là on a tué le mec à peu près. Ou t'as tué le mec. Il y a un clic là, ça va pas péter. Non. Okay. C'est par où ça a tiré du coup? Vers là où Milan a tué le premier mec. Le pont des rails. Pour rocher, je sais pas. Oui je sais, mais de toute façon moi quand je vois. Il revient sur le corps de que Milan a tué. Me toucher? Oh la balle. Oh la balle. Et puis il est tombé. Putain. Je sais pas s'il est mort, mais... C'est au rocher là-bas, c'est où, Sean? Ouais, c'est au rocher en face, il y a les deux corps. Ils sont morts. Hein. J'en ai mis une balle et il y en a un qui l'a fini. Ouais, c'est moi, ouais. Bien joué. Mort. Oh. Nice. Bien joué. Silencieux HK-407, un dire comme ça. J'ai encore plein de place sur moi, je peux le dépouiller. Ouais, dépouille-le. C'est un M110 aussi. Dépouille, j'ai de la place aussi. Je peux aspirer. Oh, les aides, il y a des grenades, de lance SA-58, j'aspire. Grenade, j'aspire. Crochet à serrure, j'aspire. Bon bah il a rien d'autre, ok ça va, il a fait pas grand chose. Thomas Hier, il s'appelle. Nora, j'arrive dans ton maison. Vous allez pas sur ce corps là, hein, ok? Je pose une mine. Donc Isma, tu ne viens pas loot. Ouais, mais il y a des aides. Bah tu tapes par l'exclamation kill. Avec un S. Dans le global. Moi je suis à 46 kills pour 3,29 de ratio, ça va, c'est pas dégueu. Il y a un mur qui passe à côté de moi. Quand même, mettre. Il va arriver sur la route. Il arrive sur nous? Il va arriver sur la route. Bah, il est sur la route là, il roule. Il va arriver vers nous pas? Il arrive vers vous, il arrive vers vous. Il arrive. On coule. Non. Intuable. Oh, je suis bugué. Il ralentit? Non, il tourne juste. Oh, il m'a fait bugger de ouf. Il était fou. Et attends, il s'arrête. Plus, un max. Non, c'est bugué. Gros, c'est trop fort le MR. Ouais, mec, ça a combien de vie? Il a pété les vitres et tout. Hein. Ah, mec, j'ai fou là. Mais je pense qu'il est pas bien. Il est à droite. Ouais. Bon bah tant pis. Hein. Ah mec, j'ai posé le pipi. Il tire encore là. Moi j'avais un petit vision toi. Là c'est fini, là on le voit plus. Mec. Allez, back to base, c'est pas grave. J'ai raté 0 balles. On dirait Battlefield gros, les véhicules ils sont trop forts. Ça c'était à gauche. Ouais. Bon, au moins on sait qu'il y a du monde. C'est ici Gorka, non? Mais la station elle est plus loin. C'est être simple qu'on va faire. Mikulan il va nous couvrir pendant qu'on va remettre. Et putain, elle est loin la station. Elle est pas loin non. Allez, vite. Go, j'ai pas eu trop d'une balle dans le gueule, j'ai pas envie d'exploser. Il y a un taux de chance de... On se met où pour le couvrir? Pourquoi? Bah pour te couvrir toi. Comment ça j'ai un taux de chance de... J'ai juste de survie très faible. Je vais me mettre là en hauteur. Oui. Oh là là, j'aimerais tellement pas. Bah là ils ont juste à tirer dans la citerne et... C'est ciao. Ça m'amuse pas mais bon. Mec faut qu'on mette de l'essence aussi. Putain c'est long d'en mettre en plus. Pfff, mais de l'essence, c'est aussi chiant que dans la vraie vie. Y'a voiture qui arrive. Ada, sur la route, Ada. Arrêtez. Quel endroit? Là, sur moi. Pilote mort. Trois mecs. Il est sauté. Vraiment exactement sur toi. 3 morts. 4 morts. 5 morts. 4 morts. Oh, 5 morts. Non. 4 morts. N'importe quoi. Enregistré. Aïe gros. C'est ceux qui nous ont tiré dessus, je pense. Hein. Putain, Milan ou. Mec, le pilote, j'ai encore mis une balle, gros. Bon, allez, situation. Ça plein de stuff que je vais pouvoir aspirer. Y'a plus de vêtements, gros. Je m'en fous, ils ont de la bouffe et tout. Bon, par contre, on a une nouvelle voiture. Je fais le plein, j'arrive avec la voiture, de toute façon, on charge tout dedans.
Oh putain, il a de la bouffe et tout, nice. M16A3. Ils sont où tous les autres? Là, il y en a que deux. Oh, mais ils sont à l'arrière, les bâtards. Vous pouvez. Comment on fait? Ajuste le siège. Ah non, c'est ajuste bon, le siège et sortir le corps. Oh là là, mais tu t'es régalé, gros. T'imagines même pas l'appel que j'ai vu, quoi, putain. Quand on a écrit attention chien dangereux sur le panneau, on mentait pas. Hein. Macmillan, c'est vraiment le chien dangereux. Faut pas se rapprocher trop près parce qu'il mord très fort. T'imagines les 4 mecs là. T'imagines j'imagine juste ceux de derrière qui ont vu leurs deux potes mourir à l'avant et qui voyaient Macmillan s'approcher au bord venir les viser. Et qui se disaient on peut pas sortir. Bon, heureusement, si vous voyez des cadavres sur la route. C'est énorme. Mec, je sais pas combien de temps ça met à remplir le Hummer, faire le plein, mais. C'est très très vénère. J'ai dû mettre au moins 3-4 jerrycans. J'ai dû mettre déjà 4 jerrycans et j'ai toujours pas fini. La chignole. Bah là, la chignole, tu vois. Comme il dit Étienne, la chignole. C'est qu'il y en a qui s'est tué tout seul ou pas dans la voiture. Pourquoi? Le con. Je tue le conducteur direct. Le passage avant, il a sauté. Ouais, mais il a tenté. Oh, bah, inconscient, je l'ai tapé. Regarde, mec, t'es prêt? Regarde ce qu'on va leur faire à la voiture. Mettez leur voiture. Bon bah là quand même ça a dû y faire tout drôle non? Vas-y on se casse hein. Et si Jaguar pas 3 à extraction. Ah ouais mais gros y'a toujours pas d'essence. Enfin y'a toujours pas, c'est toujours pas le plein. C'est 0-1, escouade éliminée, terminé. Et moi, on m'attend pas si. Bah si si, mais je vais aller juste la station parce que... En vrai, quand t'es dans le Hummer, moi je me sens tellement en sécurité, genre je suis là, je suis bien en fait. Ah bah oui, dans le Hummer, oui, t'es un peu plus en sécu que dans le Rada, là, c'est sûr. Là, y'a tous les corps, là. Allez, je leur roule dessus, voilà. Attends, après, il y a deux qui ont des pop. Véhicule! Waouh! Quoi? Crêpe, ça. Véhicule qui passe à côté de moi? Je vais me faire écraser? Non? Si? Ok, il arrive pour moi. Il va m'écraser? C'est bon, j'ai esquivé. Oh, t'as le tueur! Allez! Mort! Je suis trop loin. Il saigne, l'autre à l'intérieur, il saigne! Mais comment il conduit? Y'a plus de conducteur? Bah! Si, encore un conducteur! Je loot le mec vite! Arrachez le véhicule. Tirez dans le réservoir à l'arrière. Arrière droit, ciné. Je recharge. Je suis trop loin. Mais ouais, moi j'ai mis des salites à l'intérieur. Ouais, il y avait du sang et tout. Ils vont descendre. Hein. Je prends les armes. Ouais, je pars à la FGCH. Chasse. Là. Y'a quoi d'autre? Putain, le sac il est détruit. Je prends le chargeur. Il sera bloqué dans la forêt forcément, il pourra pas bombarder comme ça. Hein. Tu poursuis? Okay. Y'a plus rien. Ok, en face de moi, mec. Ciné, va à la base avec tout ce que t'as, toi, pire. Mort. Ça doit être lui, je pense, hein, non? Fais gaffe, hein. Faut pas que tu perdes ce que t'as, Ciné, parce que t'as quand même pas mal de trucs. Okay, non, c'est bon. Ouais, c'est bon, neutralisé. Ertosh, c'était quoi? C'était un nom de team ou c'était... Non, c'est son pseudo. Le véhicule, faut trouver où il s'est arrêté. Il redescendait. Celui-là, il peut pas bombarder dans la forêt. En plus, le Hummer, mec, vraiment, c'est... Faut regarder. Non, je vais looter. Il y a deux... Bon, j'ai freeze. Il y a AR15 et un truc, j'ai pas de soucis. Non, c'est plus haut, la voiture elle est plus haut. T'es 3 dans la voiture. La voiture est là. Ouais, bah, la bon. Voiture est là. Okay. Bah attends, on l'embarque. Y'a un mec dedans? Non, oh, il est mort. Il est mort, passager? Ah oui, il est mort. C'est celui que j'ai tué alors, c'est celui que j'ai tué. Conducteur, il est mort. Mais oh, attends, mais. La porte. Déverrouille là. T'as la clé? Attends. Quelqu'un a la clé? Quelqu'un a cette place pour qu'on le. Faut trouver la clé. Vas-y, passe. C'est bon. C'est pas le lockpick hein, qu'il faut, c'est la clé. Non mais je sais, mais c'est juste que le lockpick il m'empêchait de remettre mon arme. Y'a un SVCH encore ici, faudrait le prendre. T'as la clé, c'est bon ou pas? Ouais, c'est oui, bon. Il a ouvert. Ok. Vas-y, bah go mettre son stuff dans la voiture, puis on embarque la voiture. Hein. Eh, mais ils ont tous des SVCH, c'est un délire. Ils avaient quoi dedans? Un workbench. Bah, c'est bien ça. Non. Vas-y, ça sert rien. Vous me dites quand c'est bon, tiens, Sean, je te donne les clés. Attends, on emmène quoi du mec là? Clé à ton pied. Bon, bah, trader, on vend tout ça et puis on se barre. Bon, j'en sais rien, on fait. Bon, on a récupéré le cadavre, on le dégage comment? Ah oui, comme ça. Oh là là, ouais, c'est incroyable. Son sac, il est pas détruit, je crois.
Bon, j'espère que ça va bien le couper l'arbre. Si ça coupe dans le mauvais sens, on va en chier. Ok, c'est superbe. Oh, Sean, essaye pas de le planter celui-là, c'est facile. Allez, oh. Arrête. Il a le camo militaire et tout, il est trop beau, gros. Je peux pas fermer la porte. Ah, voilà. Incroyable, Sian, c'est pas ça. Les vitres, elles sont comment? Elles sont pas pétées en plus. Je sais pas, tu vois comment? Merde, la porte arrière droite, putain. On va aller au trailer, on s'en fout. Bon allez, allez, mets en vente ce qui doit être vendu, fermez-moi la porte à l'arrière s'il vous plaît. C'est celui qui a sauté qui avait la clé sur lui. Ah ouais, il y a un peu con quoi. Il nous a déposé la clé. Il s'est senti trop confiant, je pense. Des, c'est, je pense, ouais. Il a paniqué, gros, il a paniqué, il s'est dit, oh non, mon pote vient de se faire tuer à l'avant, faut que je saute. Il a sauté, il arrive au pied de Sean. Alors, il se passe quoi les gars? Ok, je vois que Sean, c'est toujours galère un peu la conduite. Mais mec, c'est une savonnette le véhicule aussi. Mais non, mais je vous jure. Pourquoi on va à la base? Bah parce que sinon il a des trucs à poser. Bon les gars, on arrive sur une opération très dangereuse. Je veux une escouade soudée, qui perd fort et qui arrache. Ok? Je veux de la fluidité dans les mouvements, dans la communication. Ok? Ok, le Hummer. T'inquiète pas, Macmillan. Tu vas le tuer avant que je veux le vois, que ça soit. Ich, ich. Tu vois, faut que ça t'inquiète, soit. T'inquiète. Du coup, c'est le marqueur blanc là, c'est là où t'es mort, c'est le marqueur blanc, ah, non, c'est le drop, non, le marqueur vert, c'est là où il est mort. Ok, PKM. Le marqueur blanc, retirez-le parce qu'il sert à rien, il est même pas du tout sur le drop. Ok, à droite, je le vois. C'est où droite? Droite, je tire, je vais peut-être toucher. Champ fourré. Je vois pas. Touché. Ah, ok, je vois. Il a été touché, il a été. Il a pris une balle. Bah, à droite, non, il était dans le champ. À droite, pour moi, c'était. Ouais, il était dans le champ quand il a commencé à courir. Il a pris une balle, je sais pas si c'est lui. Mais il a pris une balle en tout cas. Ok, un autre à droite, au même endroit, il retourne à droite, il court vers la droite. Ok, il me tire dessus, vite. Je le vois pas. Il y a le contrebas. Ah, je sens que je vais me faire tuer. Oh là là, j'ai plus de balles, à bientôt. Il s'est posé le airdrop. Ok, je l'ai vu au rocher plus loin. Quand tu regardes vers les. Ouais, je le vois, il descend vers la ville. Ouais, il descend vers les tentes même. Vers les tentes, le carrément. Drop, il est posé, ouais. Ça descend vers les tentes. Mais les mecs, je vois pas, gros, c'est un délire. En fait, il a longé comme ça, Macmillan. Voilà, il est allé en face dans la forêt vers les tentes. Il est dans la forêt à droite, il m'a vu. Milan, tu le vois en face? Bien joué, superbe. PKP. Bien joué, superbe. C'est lui que j'ai vu, hein. C'est lui qui a. De toute façon, ça c'est celui qui a tué Samy. Oui, c'est PKP, c'est pas PKM, PKP. Non, mais c'est pareil, t'inquiète. Et le zombie qui a gros le tir de silencieux, non, mais ça me termine de plus en plus, hein. Ça me chute. Moi je l'entends le tir, donc le zombie il m'entend aussi. Regarde. Tu peux plus me tuer des zombies, ça. Bon, vas-y, de toute façon, il était tout seul, hein, faut voir, hein. Bah, je sais pas, selon vos infos. Bah, en tout cas, moi c'est lui que j'ai vu trois fois. Trois fois, c'est lui que j'ai vu. Ouais, mais c'est lui qui m'a repiqué, Moi, tu me tires dessus, je te repique, hein, si je prends une balle. Il l'a tué là, Sydney, si tu veux aller voir, juste là. Il y a des zombies qui arrivent, faut faire gaffe. Du mec, en tout cas, sinon je vais mourir. Zombie qui arrive. Non, mais lui, c'est MK18. Ah oui, non, d'accord, il a l'autre dans ses mains, ok. Ok, faites gaffe, il y a le zombie. Ok. C'est bon, j'ai pris ces deux armes. Essayez de regarder s'il y a d'autres trucs. Putain, ouais. Il y a le chargeur de PKM, faudrait le prendre. Tu peux, Macunan, le prendre ou faut que je vienne? Je regarde autour en fait. Il a une RK, putain. Je peux pas la prendre, son arme. Les zombies, 308, il meurt pas, attention le zombie. Putain. Ah, il commence à me péter les couilles. Par contre, il y a plein de zombies sur le bouton. Sinon, je peux passer en voiture autour du drop, hein. Pour les écraser? Bah, pour les écraser, oui, puis c'est comme ça, si je prends des tirs, ça sera quand même plus safe que voilà quoi. Vas-y. Macmillan, tu prendras le visu, puis moi je vais courir dessus, puis je vais tout aspirer. Hein. T'as de la place sur toi, Macmillan, que je te file la PKP? Oui. Allez, tiens. Voya Petrovka, airdrop. Si tu PKM. Après, moi la PKP, je veux bien la jouer. Si tu PKM. C'est PKM. Non, mais je sais pas, on dit PKP, hein, PKM. Je sais pas, on me dit un coup PKM, un coup PKP aussi. Moi j'ai même pas regardé le nom de l'arme. Oh, mais voilà, encore une fois, Sean. S'en fout, gros, c'est la même chose les deux, hein. Ah non. Ah si. Non, mais là c'est pas une PKM, c'est une PKP. Bon, ah, ouais, excuse-moi. On y a pas mal de construits, hein. J'arrive. Une fois, si tu pourras tout aspirer. Ah oui, c'est blindé. Il y a du parpaing à plein. On les prend, les parpaings? Ouais, c'est plus important. T'as pris celui qui avait sur le cadeau de Samy? Oui.
Il y a un zombie là, faudrait que tu l'écrases. Les gars, je vois un sniper allongé, Gilly. J'irai 500 mètres au-dessus de vous. Ok, donc je reviens. Par où? Vers, comment je pourrais dire ça? C'est la route. La route, c'est une petite route en terre. Attends, vous êtes où? Il est au bout de la petite route en terre, je crois que je le vois. Ouais. Il est à gauche de la petite route en terre entre deux arbres, non? Ouais, ouais. Il y a ouais, combien de mètres là? Là, il y a 400, je pense. 500, 600. Attends, je vais aller avec le. Vas-y, j'y vais, tu vas voir avec mon ping. Tu vois le chemin qui remonte là-bas? Ça, il y avait 700 mètres. J'ai tiré, je l'ai pas touché. Il a bougé ou pas? Bah, il bouge. Il remonte à terre en haut à gauche. Il remonte à terre. Putain, dommage, j'avais pas la distance. Snipe, s'il te plaît. Putain, vas-y, ça me saoule. J'aurais eu la distance et je l'aurais tué. Tu le vois encore? J'aurais dû mettre un marqueur. Merde, non. Henri, t'es trop bien caché, le bâtard. Ça a tiré! Ah, de là-haut. Je suis inconscient. De par où? Là, je pensais que t'avais. Bah, là-haut, par là, le mec. Par là, ok, ouais, autour de moi, ça tire! Ah, oh, c'est la merde, les gars. Je me fais tirer dessus. Ils sont plusieurs, je pense. Hein. Ils tirent sur Sydney encore, je vais perdre la vie. Je suis mort. C'est pas le tireur, vu. Je vois pas le tireur. Ça tire tout près de moi. Et maintenant, je me fais tirer dessus. Non, pas tout près de toi, quand même. Bah, pas loin. Dans mon dos, quoi. Oh, il me cale des tirs à 800 mètres comme ça. Ah ouais, je le vois, il a longé Gilly encore. Même moi, il me met la première balle. Il est encore longé Gilly. Il me faut la distance là. Attends. Il est caché derrière l'arbre, le bâtard. Moi, je suis là. Le gars, il est là. Il est là. Entre nous, là, Bérez. 700 mètres. Ouais, Bérez. Ok, c'est bon, j'ai la distance. Il a longé encore. Oh, j'ai pris une balle. Il y a deux tireurs différents, je crois. Il va être chaud, hein, le bâtard. Comment on fait? Je réfléchis. Ils sont deux à tirer. On va peut-être réfléchir plus rapidement. Je suis arrêté là pour l'instant. J'ai un visu sur le corps de Sydney, mais. Ok, il back. J'en vois qu'un seul. Ok, non, il revient se repositionner. Mort, j'en ai vu, je crois. Non? Ouais, je l'ai eu. Bien joué. Il y en a qui a tiré pas loin là. C'est Samy. C'est moi. J'ai plus de balles par contre, j'avais qu'une balle dans mon chargeur. Ok, Samy, j'arrive, Samuel. Unité de renfort en approche. Mais tu sais, j'étais en train de courir en rond autour du truc, il m'a mis une balle. Mets-toi à couvert par rapport au tir, Samuel, je vais t'amener des armes. Ou des balles. Bon, t'inquiète, t'auras du large, je crois. Oh ouais, bah. Mais attends, je sais pas si je pourrais passer de là. Les gars, il a détruit ma lunette, le mec. Il a tiré sur ma lunette. Ah, je pourrais pas passer. Vas-y, j'arrive. Mets-toi côté, autre côté de la voiture. Et ouvre la porte pour pouvoir. Voilà. Ouais, sur ma lunette de l'arme. Il m'a détruit la lunette. Par contre, je suis en train de rush. C'est pas bon ça. Moi, je sais pas où il m'a mis la deuxième balle, mais. Ferme la porte, s'il te plaît. Donc, il y a moyen que mon stuff soit pas cassé. Ah, donc, t'auras forcément un truc de DSP déjà. C'est sûr. Du coup, c'était deux, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait deux tirs à chaque fois. Ouais, il y a un moment ça mitraillait pas mal. Il y en a un de mort, du coup il en reste un. Vous savez par où il est mort ou pas? Ouais, il est mort le long de la route. Le long d'un arbre, là, je le vois encore. Attends, mais il y a son pote qui est dessus, gros. Non. Je crois qu'il y a son pote qui est dessus, gros. Ouais, il y a son pote qui est dessus, qui l'a looté. J'ai mis une balle. C'est pas où par rapport à moi là? Il est derrière, il a continué sur la route. Il a remonté la route en terre. Je suis sur la route en terre. Il est en train de looter son pote, ce bâtard. Il remontait. Ouais, il était là. Ok. Mais je pense qu'il est remonté un peu sur la droite. Il a réussi à loot. Ah putain, merde. Mais comment est vraiment les gens, ils ont aucun mental. Hein. Il est en face de moi. Marche, je crois. Je vais voir. Normalement, j'ai tué. Il est en. Oh, je me fais tirer dessus. Ok. Ça tire silencieux, pas loin. J'ai touché. J'arrive. Sean, vas-y, j'ai plus de balles. J'ai raté. C'est bon, je l'ai eu. Ouais. C'est bon. Oh là. Wesh. Putain, j'avais plus de balles. Je suis sorti, j'ai full en oscope, gros, c'était trop compliqué. AK-74, on aspire. Prenez le level 10 aussi. On aspire tout, on met dans la voiture. Instant. J'ai tué personne. Des merdes. Oh la panique, gros, la panique. T'en as tué un du coup, Milan? Ouais, j'ai tué, c'est bon. C'est confirmé. Il avait quoi comme arme? Des mères. Ok, Samuel, t'as ramassé son arme? Ouais. T'as ramassé des belles 10, c'est bon? Tu l'as sur toi? Il est bien. Hein. Ouais. Milan, on charge dans la voiture, s'il y a des trucs à charger. Puis moi, je vais.
Oh là là, ouais, c'est blindé le, le 4x4. On va aller au cadavre de Sydney et on va tout transférer dans le Hummer. Même la construire et tout, tu fais tout glisser. Je vais essayer de te mettre J'ai pas eu le temps de tout ramasser hein, dessus, par contre. Ouais, mais justement, on va tout faire glisser. Puis on triera plus tard. On aspire, on aspire. Samuel, il va essayer de nous couvrir, entre guillemets. Samuel, il y a des trucs là-dessus? Non, il y avait rien. Y avait rien. Plus rien? Ouais, plus rien. Bon, vas-y, on va vers le drop. Tu veux venir dans la voiture avec nous pour t'approcher ou tu restes là? Non, vas-y, reste là. Ils avaient une bonne vue ici. Hein. Ouais, ils avaient une bonne visu. Tac, ok, le sac, c'est bon. Qui se moque? L'arme de ciné. Vas-y, aspire. Ah, c'est full buggy, gros, avec le loot, là. C'est comme toi, la dernière fois dans la maison. Ouais, t'inquiète. Normalement, le placement, il est pas dégueu. Moi, je check vraiment, Samuel, faut qu'il check autour si ça arrive pas. Non, je regarde un peu, je vois rien. Hop, c'est bon. Tac. Ok, le gilet, il est mort à Ciné. Ok, tout est mort sur Ciné, je vais prendre ses chargeurs. Le parpaing, là-bas, plus loin, aspire-le, puis on sera bon. Bon, vas-y, nous, on fait un back-to-base rapido. On pose ça, on regarde ce qu'on va vendre. Ciné récupère son stuff. Go trader, allez, go. Ces putains de camonnettes, je vais les arracher un par un. Je vais les arracher avec les dents, gros, les camonnettes. Je vais mordre dedans. Vas-y, roule. Mais pourquoi en même temps vous mettez plein de trucs comme ça là? Non, mais ça passe dans un sens, pas dans l'autre. Non, mais c'est bon. Mais tu les vois pas, les machins? Arrête. Ils me rendent fou, déjà. Il bouffait le poteau. Sûr, y'en a un qui va conduire les Hummer toute la journée, gros. C'est dur à voir ce que c'est que de conduire. Gros, j'ai l'impression d'être un putain de chauffeur Uber, mec. Oula. Non, mais. J'en peux plus, gros, des véhicules dans le jeu! Le mec est toujours dans les tentes? Il est derrière, il est au niveau de la ferme, tu l'entends tirer là. Ah bah non, peut-être pas avec la voiture. Si, on l'entend. Ok, je vois, arrête-toi, il est aux tentes. Arrête-toi là. Arrête-toi, vas-y, on sort, go. Ferme les portes. Allez! La... Tu le pêches? Il était aux tentes, il est en train de tirer comme un bâtard. Je le vois, il est derrière l'arbre. Mort. C'est qui tire encore là? Mais encore, le bambi dans les trucs, dans les trucs. Ouais, ok, bah j'ai tué le mec stuff moi. Ok, ça tire au silencieux. Mon silencieux, ouais, j'ai mis une balle. C'est bon, il est mort. Je vais tuer le zombie. Sidney, gros, il était là, boah. Mais oui, ça m'a trop perturbé, mon silencieux il a lâché pendant que je tirais, gros, j'ai pas compris. M1 à Socom. Pas mal. C'est ça que t'avais chopé. Et moi, du coup, j'ai tué le mec full black, au fait. Ok, nice. SVT-40. Bill, il s'appelle. Il est juste là, à côté de moi. Ouais, il est en train de te viser. Quasiment, il était comme ça, en fait. Tu vois, ce genre de route, là, c'est pareil. Infernal. Parce que t'as les angles droits, des moments. Donc, si t'arrives trop vite, bah, tu rebondis. Oula, ça lag de fou. Oh ouais, bah voilà. Là, je suis sous la map. C'est bon, on est bien. Mais tu vois, c'est ouf que ça arrive à me faire un mouvement que je n'ai pas fait, genre. Moi je me vois parfaitement suivre la route hein. Voiture en face qui roule. Voiture en face qui roule, gros. Arrête-toi alors. Mais non, elle est trop loin, Ah merde, je crois qu'elle venait vers nous. Vas-y, rattrape. À gueule. Je sais pas voir où je suis passé. Ok. Faudrait même les retrouver. Faut suivre dedans. Allez, arrache-le. Oui. Voilà. Arrête-toi. Vas-y, arrête-toi. Sors, t'arrache. Les bons, les deux sont morts. Voilà. Situations. Incroyable. Oh non, je crois que j'y avais crash. Oh non, mais ils ont de la thune et tout, ils ont de la thune. Oh là là, les gars, on leur est tombé dessus. Bam. C'était qui, Rabbit? Il a une clé. Oh. Attends, je crois. Oh, il y a 7000 sur lui, boîte de clous et tout. Oh là là. Oxy, vroom vroom. Clé de voiture. Oh, il y a une caisse sur lui. Y'a un gilet pare-balles, celui qui n'a pas de gilet pare-balles, y'a un gilet pare-balles. Moi j'en ai pas. Ah, je veux bien. Ah ok, bon bah vas-y. Prenez. Oh les pauvres. Oh mais là c'est Altes 4, hein, je te le dis. Je prends l'UAZ, mon pire. Ouais. Ah il est mort, je crois, non. Bah essaye de voir s'il démarre. S'il démarre, on ramène l'UAZ. S'il démarre pas. Il a un pneu qui a ruiné, je crois, non. Ah, il a 3 pneus détruits. Hein. Tu vas pouvoir le ramener ou pas? Bah oui, ça ronfle, gros. Oula. Non, en fait, je crois que ça va pas bien marcher, à mon avis.
Les pneus sont un peu éclatés quoi. Non, non, bouge pas, va pas. Oh, c'est en feu, barrez-vous. Ah, ah putain. Cours, comment. Y'avait rien dedans. Bah si, j'avais de la thune et une arme. Quand ça a explosé, tu peux aller loot. Enfin, c'est la chio. Quoi, ça refume un feu. J'ai peur. Vas-y, Samy, vas-y. Vas-y. Non, non, j'ai pas envie de voir. Non, non, je rigole. Non, tout est intact, c'est bon. Vas-y, on se casse. Partez au drop avec Milan, on va ramener. Vous avez un à ramener, vous? Non, bah c'est moi, j'ai déposé, du coup, j'ai tout déposé ce que j'avais besoin de ramener. Vas-y. Ta mère. On y va? Ouais. Vous avez pris la thune et tout, c'est bon? Ouais. Bérez. Mais mec, nos situations, elles sont incroyables quand même. J'avoue, par contre, mec, il y a tellement peu de joueurs en plus. Je t'ai dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir du monde sur Aftermath pour que ça se passe bien. Non, mais on a de la chatte. Voiture en face! Descends! Attends. Mais c'est quoi ce voiture? Revenez, les gars, sur la route, revenez. On arrive. Fume, tu. T'as les deux. Ok, si tu le passager. T'as les deux. Conducteur, tué, c'est bon. Fume, tu. T'as. Ok, si tu le passager. T'as les deux. Conducteur, tué, c'est bon. Tu vois, tu. Attention, bon, traverse pas la route. C'est trop. Ah, mais non. Je l'ai vu arriver. Vous savez que la première voiture que vous avez tuée, c'est les mecs qu'il y avait tout à l'heure à la safe zone. Qui était en train de ranger. Allez, encore de l'argent. Ah bah non. Mais what? Bon, y'aurait pas un petit gilet pour moi? Allez, se va à MK18. Gilet très abîmé, tu pourras le réparer. C'est... Nice. Faut tout en cuir. Non, mais ça, pour réparer, c'est non trop. Il y a une tente et tout dans le. Oh là là. Ils ont de la thune. Oh là 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 là, mais gros. MK18 mod. Mec, c'est incroyable ce qui se passe encore. Allez hop, je reprends deux kills. Un truc pour réparer le... je prends tous les kills, gros, en voiture. Oh là là, gros. Oh là 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 là, n'importe quoi. Et mec, t'es là. Bam, tu tues deux mecs. Non, mais surtout, je commence à monter. Et là, je vois la voiture qui nous monte, je fais. Mais là, voiture. Et là, je m'arrête, je tue le passager, pouf, et je tue le conducteur. En plus, gros, les mecs en voiture, les mecs ils paniquent trop quand ils sont en voiture. Parce que là, ils ont juste à s'arrêter comme nous, descendre. Et c'est un pur 1v1, car c'est celui qui descend le plus vite et ça se prend des vrais duels. Alors, t'as vu, ils paniquent, ils se cognent dans nous, ils commencent à tenter de repartir et tout. Les mecs ils sont en panique en fait. Là, gros, sur les deux mecs, c'est de la full panique. Mais les premiers, par contre, ils ont dû vraiment rien comprendre. Et imagine juste s'ils étaient en first person en conduite. Ils ont vu leur véhicule d'un coup. C'est quasiment sûr que c'est ça qui s'est passé, mec. Ils savent pas qu'il y a le 3 PP. Ils ont vu la bagnole. Le bruit un petit peu plus fort arriver derrière eux. Ils ont la bagnole qui est partie, ils ont fait what, oh, ça bug. Et là gros, ta. On les a charqués sans humeur, les mecs. Terminé. Oh la chignole, oh les chignoles, comme dirait Norad. Là, je peux dire que le maire il en fait des kilomètres. Bon, le humeur, mec. Moi aussi. Putain, y'a des caisses. Hein. Le humeur il en fait des kilomètres.